Du lanceur, c'est situé à 1 km du pas de tir. C'est un bunker en béton armé de 2 étages, toiture blindée de 2 mètres. Et l'équipe européenne est menée par le COEL, on le voit. Et c'est Jean-Claude Garot qui communique et sert d'interface donc avec le chef de mission LDDO ici à Jupiter. Son adjoint ce soir est Jean-Pierre Barlet. L'équipe russe, elle est menée par le COLS, Dimitri Baranov, avec les principaux représentants des sociétés russes participant au programme, NPO Lavotchkine, TSSKB, Tsenki. Dimitri travaille directement sur le lanceur et les opérations finales de chronologie. Et celui qui a garanti l'aptitude de vol du lanceur pour Arianespace, c'est Franck Vasseur que nous saluons. Nous le saluons, Franck. Et les équipes là-bas au CDL, eh bien, elles sont quand même plus d'une centaine de personnes. Au plus près du lanceur, on vous l'a dit, plus de Russes que d'Européens. Et là-bas, eh bien, ces dialogues en russe, en français et en anglais, c'est international. Alors on peut rappeler qu'il y a plus d'une heure, le portique s'est écarté de 80 mètres pour dégager le lanceur. Ce portique qui est propre aux installations de Guyane, il n'existe pas ni à Baïkonour, ni à Plessetsk. Eh bien oui, en principe, les Russes intègrent le composite supérieur à l'horizontale, comme d'ailleurs tout le reste du lanceur, hein, qui est fabriqué généralement à l'horizontale. Mais Arianespace n'a pas du tout ces mêmes procédés et a souhaité garantir le même niveau de service à ses clients, à tous ses clients. Et donc l'intégration des satellites se fait à la verticale ici, au Centre spatial guyanais, même condition sur Ariane ou sur Soyouz. Alors normalement, à moins 2,35, on a eu le largage des ombilicaux satellites du bras KZM. Ça ne se voit pas très bien à l'image, mais ça a été fait. C'est ce qu'on appelle en russe le tchin. Largage des ombilicaux Shao. Voilà, les Shao ont été largués, c'est confirmé par le DDO. C'est confirmé, donc il y a toute une série d'opérations. Ça va aller très très vite dans cette fin de chronologie finale. On va vous les annoncer tout de suite. On va vous annoncer ce qui va arriver dans les dernières secondes avant le décollage. Claude. Alors à 38 secondes, il y aura les ombilicaux du troisième étage qui vont retomber aussi dans un panier. 35 secondes, on aura l'ouverture du grand bras. Vous voyez le bras qui est gris qui monte jusqu'à la coiffe là. Et puis à H0 moins 19 secondes, c'est le pousque. C'est l'allumage des moteurs du premier étage. Enfin, ce qui est considéré comme le premier étage par les Russes, c'est en fait les boosters, hein, les propulseurs d'appoint qui encadrent en bas le corps du lanceur central. Et le deuxième mât qui est plus petit, qui est un peu caché par les fumées, là, c'est le VKM, sera retiré à 18 secondes. Et ensuite, Pierre? Eh bien ensuite, il y a 3 paliers de poussée avec des tests intermédiaires avant décollage. Donc il y a un contrôle automatique de la poussée des 5 moteurs du lanceur. On a la même opération hein, qui est beaucoup plus rapide, mais sur Ariane 5, il y a un petit test du Vulcain. Eh bien c'est pareil là. On a en fait à H0 moins 14 secondes la poussée primaire. On envoie 20% de la poussée totale. À H0 moins 6 secondes, H0 une poussée intermédiaire avant la poussée maximale de 100% qui fait décoller. Soyouz. Top, moins 1 minute. C'est parti, on va saluer tout de suite les gens qui nous écoutent en Russie, notamment à Samara, Moscou et Saint-Pétersbourg. Et puis la Guyane, Sinnamary, Kourou, Cayenne. L'Europe, évidemment, l'Agence spatiale européenne, le CNES, Arianespace, et puis tous les industriels qui ont participé à ces programmes. Et bien sûr, les internautes qui nous suivent sur arianespace.com. À tout à l'heure. À tout de suite, nous nous taisons, nous vous laissons profiter du spectacle et nous revenons dans quelques instants. Largage du KZM. Top, début de séquence d'allumage lanceur. Largage VKM, mise à feu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top, décollage. C'est une boule de feu qu'on aperçoit très très mal car le temps est très couvert ici en Guyane. Vous avez vu ces étoiles en forme de gouttes de
de pluie sur le plan où on a vu. Voilà, on a vu Soyouz s'élever. C'est beaucoup plus lent qu'Ariane 5. Une poussée de 336 tonnes au décollage. Et les 5 moteurs quadrichambre, donc du corps central et les 4 boosters, ont été allumés simultanément, vous l'avez vu. C'est ce qui pousse le lanceur actuellement. Et tous ces gaz sont éjectés par les 20 tuyères. De forme cylindrique à la base, vous voyez, et conique en allant vers le haut, ces tuyères contiennent du LOX, de l'oxygène liquide et puis du kérosène, même carburant utilisé pour le second et pour le troisième étage. Alors les 4 boosters unis pèsent au total 180 tonnes et les boosters doivent pousser pendant un peu moins de 2 minutes. Et on va se débarrasser de leur masse sèche dès qu'ils seront quasi vides. Alors au démarrage, Soyouz pesait au total 313 tonnes et après séparation des boosters, il ne va plus peser que 135 tonnes en moins de 2 minutes. Le lanceur aura perdu plus de la moitié de son poids. On nous annonce que tous les paramètres sont normaux. Ce vol commence très très bien. Et nous entendons le bruit du lanceur qui passe, alors pas au-dessus de Jupiter, mais pas très loin. Oui, tout à fait. C'est maintenant c'est que très, le bruit très impressionnant. Nous parvient. Alors, séparation des boosters, on peut commencer à l'annoncer et dire comment ça va se passer. Eh bien, après séparation des 2 traverses arrière qui relient au corps central, la base des 4 boosters s'est progressivement écartée. Les boosters se sont mécaniquement dégagés des points d'état.